Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à votre tribune d'échange, tribune de communication, tribune de partage, tribune d'information. Aujourd'hui, on est le samedi 12 février 2022. On va parler Congo. L'actualité dominante de ces samedis 12 février 2022 reste c'est arrivé à Kinshasa de Joseph Kabila Kabongé, le président honoraire de la République démocratique du Congo, via l'aéroport international d'Ndjili. Joseph Kabila Kabongé était en Afrique du Sud, pour des soins appropriés, où il a rencontré également quelques diplomates américains. De quoi s'agissait-il? Est-ce que l'Afrique du Sud aujourd'hui est considérée comme un pays de comploteurs, de conspirateurs pour déstabiliser la République démocratique du Congo? On en parle, mesdames et messieurs, au cours de cette tribune d'échange, cette tribune de partage, mais également l'information dominante de ces jours. Les éléments de la garde républicaine étaient aujourd'hui en marche. Marche dénommée marche d'endurance à travers la capitale Kinshasa. Quel message retenir de cette marche d'endurance? Qu'est-ce qu'on peut décoder? Quelle est l'information, le message qu'on peut décoder de cette marche d'endurance des éléments de la garde républicaine? On en parle, mais également, il y a cette information sur ces tours, cette navette des diplomates américains, mais également une délégation de la compagnie Bruxelles Airlines était avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour parler affaires, pour parler coopération. Est-ce à ce jour, on peut pousser un ouf de soulagement pour dire que désormais, il y aura la création des entreprises, il y aura l'emploi en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames et messieurs, au cours de cette tribune d'échange à votre chaîne Congo Live Télévision. Élément, il y a les bossos, vous allez partager, Nabino, fidèle internaute à Congo Live Télévision. Ezali Koya, il y a Mwanamboka Joseph Kabila à Kabongé. Joseph Kabila Kabongé à Silaki Kokende, Afrique du Sud, à Komaki Mokolo ya Lobi, na soirée, vendredi na soirée, à Komaki, na aéroport international Ndjili, ou à Kendaki Nanda Kunayekuna, na Kingakati. Il faut le dire, bien avant son arrivée, na capitale Kinshasa, Joseph Kabila à Zalaki, na Afrique du Sud, ou à Koutanaki, na certains diplomates américains. Selon certaines indiscrétions, ma diplomate américain, ma silaki kosololana Joseph Kabila Makambo, et si le kanambo kaba événement malheureux, incident malheureux, notamment ce prétendu coup d'État manqué en République démocratique du Congo, ba silaki kosololana na Kabila, mais na réunion wana, na beaucoup tani, il y a Joseph Kabila avec certains diplomates américains, ba imboka bazali komituna mille une question. Est-ce l'Afrique du Sud? Oui, mais l'Afrique du Sud, les alliés pays, les alliés Mboka, pays à Nelson Mandela. Est-ce que l'Afrique du Sud est comme bastion, il y a un conspirateur? Est-ce que comme bastion, il y a un bateau, il y a un alliés qui font monter, un plan à Bangopo pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo? Tant de questions qui taraudent les esprits de plus d'un Congolais quant à ceux. Mais, il y a un peu de temps. Notamment, il y a qu'on mettre entre guillemets Afrique du Sud comme un pays de conspirateurs, comme un pays où tout se passe pour déstabiliser la République démocratique du Congo.
Joseph Kabila Kabange azalaki na Kinshasa la capitale p na cité nae obino soboyebi cité merveilleuse cité Kinakati. Après accident o esila machi ko sala maen accident o mutuka nae esalaki tonneau hein o babengaka na jargon congolais tonneau et balukaki bayimbo kababi Kabila abimaki Saint-Sauf bomunaki na bilili abimaki Saint-Sauf ba gratinure ezalaki vraiment te abukana kite abimaki normalement pe bayimbo kamususu bakene kota la e ba pesi moto mona mboka Joseph Kabila ba mbote ba solo lipe kitoko mais kokene na en Afrique du Sud en croire son entourage bien évidemment c'était justement pour des soins appropriés. Pour des soins appropriés après son accident, mais également pour s'inscrire dans l'une des universités de la place pour continuer l'étude et le doctorat. Wanande a raison en croire son entourage proche de Basilaki qui a dévoilé cette information. De Kabila a Kendaka Fruit du site. Bayimbo kamisu babi ah Kabila zoka kite Kabila bukana kite au kinafui décide Kabila continue doctorat tant de questions mais ce qui tique l'attention des Congolais ce qui tique l'attention des observateurs avertis que l'Afrique du Sud à ces jours s'il faudra citer le nom de personnalité de l'ancien régime qui se trouvent actuellement en Afrique du Sud, ils sont tellement nombreux. De personnalités mécontentes de l'actuel régime. On peut citer Tozui Azarias Rouberoy, Azali en Afrique du Sud. Tozui Janine Mabunda, Azali en Afrique du Sud. Tozui Tikaya Bin Karoubi, Azali en Afrique du Sud. Tozui Zoé Kabila, Alingaka qui est d'Afrique du Sud, il a été interpellé par les éléments de la direction de migration. Direction générale de migration, DGM l'aéroport, il y a un Djili Oubaravi, ça qui est son passeport, mais également qui est dans. Na ba local il y a DGM au ba tandaki le lendemain son passeport a été remis ba zong cela que passeport nae pe akomaki un homme libre a kenaki le sous Afrique du Sud te ba imbo ka balobi ba toana nyonso ba kasik wana oyo ba kali na Afrique du Sud c'est que ezali bango ne bazali ko orchestrer makambu ba plan pour déstabiliser la République démocratique du Congo c'est que ezali bango ne bazali ko orchestrer makambu oyo coup d'état manqué ezalaki en République démocratique du Congo donc difficile mesdames et messieurs de répondre na ba interrogation ba imboka wana difficile de dire oui à ces nets moments que ce sont eux qui sont à la base de ce coup d'état manqué. Difficile de croire aujourd'hui, ce sont eux qui ne sont pas aussi partie prenante dans la réunion où ils ont organisé pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais on se demande pourquoi seulement au moment où les petits frères de Joseph Kabila a été débarqué de l'avion en partance de l'Afrique du Sud, bah tendre, bah botonier passeport, que les deux prochains jours, les deux jours au Elandi, Joseph Kabila rentre au pays. Mais il n'est pas rentré au pays directement. Il est rentré au pays après échange avec un diplomate américain. En croire, nous n'observons certaines indiscrétions, c'était justement pour parler
du Congo pour parler des événements malheureux, pour parler de ces coups d'État manqués. Qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, il y a beaucoup de dialogues, un dialogue intercongolais, un dialogue intercongolais, un beau cannabis au moment où le pays était confronté à des crises, au moment où le pays était confronté à beaucoup de choses, c'était l'Afrique du Sud. Oh, bah, il manque, bah, il y a qu'au Kenya, pour n'avoir solo là. Pour n'a, bah, aplanir, bah, divergence, n'a bango. Pays à Nelson Mandela, Moutou, à Bunda, pour n'a apartheid. L'un de monsieur, Oyo, à ça l'a été, Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'a Mobutu, pas qu'outa n'a pas solo là. Est-ce que ce pays-là, bah, qu'on dit, m'a été, ba Congolais, ba kuta na kuna, ba sala ba plan pour na déstabiliser le Congo. C'est à vous aussi de réfléchir. C'est à vous aussi d'être éveillé. Obabi Congolais telema zala patriote. Congolais telema zala patriote. Tant de questions que nous nous posons. Est-ce que c'est l'ancien régime? C'est les caciques de Joseph Kabila. Il faut le dire, Kikaya bin Karoubi, l'un des proches collaborateurs de l'ancien président de la République démocratique du Congo, a dit que la RDC ne sera pas épargnée d'un éventuel coup d'État. Intuit, retiré rapidement. Mais à notre grand étonnement, à notre grande surprise, est que toutes ces personnalités mécontentes de l'actuel régime, parce que vous le savez pertinemment bien comment Jalil Mabounda a été débarqué à la tête de l'Assemblée nationale. Comment Alexis Thambwe Mwamba a été débarqué à la tête de la chambre haute du Parlement qui est le Sénat. Vous le savez pertinemment bien comment Kikaya bin Karoubi a fui ce pays pour aller en Afrique du Sud. Les circonstances dans lesquelles ces différentes personnalités ont quitté le pays, ça laisse croire que Bango Ndemutu Bazali à la base. Or, moyen qu'on affirme Zalité, moyen qu'on affirme Zalité, chacun tire les draps de son côté, chacun pense. Naba indice, naba signo, o ezali ko salama. A vous également, o ezali ko landabiso, mokolo ya lelo. Avec ces éléments, nous arrivons peut-être à faire des hypothèses et à tirer des conclusions. Oh, bah, conclusion, Anna, il faut qu'on confronte en haut. Naba idée, moussous, naba élément, moussousou. Pour n'a ko bimisa, et l'eau, moko, ezali, parfaite. Mesdames et messieurs, au cours de cette tribune, deuxième point d'abisso, Ezali, cette marche, parce que c'est la toute première fois, peut-être pour bah, Congolais et Bélé, bah, si la commune a marche, il y a bah, élément, il y a garde républicaine, une unité spéciale, spécialisée pour la protection du chef de l'État, pour la protection du président de la République. Les éléments de la garde républicaine en marche dénommée marche d'endurance. Quel est le message à décrypter? Quel est le message à dénicher de cette marche organisée par les éléments de la garde républicaine? Avant tout, continuer, fidèle internaute à Congo Live Télévision, Maso Nabiso, Nako Sengabino Botala, c'est tout petit extrait de cette marche. Comment a été cette marche? Mengenini Salami, suivez cet extrait. On se retrouve tout juste après pour continuer notre échange, notre partage à travers cette tribune. Suivez.
Voilà, Bosili Ko Landa. Comment était la marche? Yamokolale, le marche dénommé marche d'endurance. Quel est le message que nous pouvons décoder? Quel est le message clé? On s'est dit, après ce coup d'État manqué, certains seront tentés de dire que non, voilà, garde républicaine, mon continent bango, mon renais, c'est qui aime tout na plan wana. Mon continent bango, c'est qui boy. Non. Garde républicaine, le Batelemi. Batelemi comme un seul homme pour marcher à travers la capitale Kinshasa. On peut dire qu'ils ont marché pour démontrer à la face de l'opinion nationale leur loyauté avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, on s'est dit, les éléments de la garde républicaine ont marché pour faire peur. Qu'on l'a qui ça, n'a pas eu moka, ou va l'ingi, qu'on tentait déstabiliser un moka. Qu'on tentait quelque chose pour toucher à la sûreté de l'État, qu'ils sont prêts. Ils sont prêts pour sécuriser les chefs de l'État pour que événement malheureux, notamment makambo à coup d'État, est zalaté. Tomoni bango ba tamboli, marche ou les alités que marche ba tamboli, ba lati ba polo, ba kilote, to ba pantalon, ba zali na ba teli na bango ya bitumba, ba zali na mindu ki na bango ya bitumba, ba zali na ba onjen na bango, ba zali ko tambola, marche ba naki na la limité échangère. Ma misousou, ma bandi la limité échangère, al nagumbi. Misousou, ma longwena, échangère wana, ba keiti, na kanseta. Ba kole kamasina, ba kole kabachangu, ba le kinyoso, ba keiti na kanseta. Justement, pou na kola ki sa loyauté na bango avec le chef de l'État. Pour nous ça était basali unité spéciale, unité spécialisée pour protéger les chefs de l'État. Parce que batonioso oh bako luka était ba ça là quelque chose de mauvais pour nous mboka na biso unité wana ezali pour protéger les chefs de l'État. L'exemple palpant bosila ki koyoka ces putsch militaires manqués na Guinée-Bissau. C'était comment? Au moment du conseil des ministres, les putschistes ont encerclé le lieu, les putschistes ont séquestré les ministres et tout consort, le président de la République et le premier ministre. Bah, c'est faux filet qui baki maki. Er baki mi. Baki okwende. Ou dans la unité spéciale. Unité spéciale, n'est-ce qui était. Baya. Ba. Dérouté. Bato. Ba l'inaki. Ba sa la putchouana. Pour dire que l'unité spéciale. Ou ben abongo na kati yambo kanabiso. Ba na yamura. Ba na yamura. Ba chikata. Et ça libère unité pour protéger les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont là pour le protéger. Le message clé à tirer est que cette unité spéciale, oh, bah, tu me souviens, bah, banamoura, bazali, boye, bazali, boye, banamoura, est-ce que bazali na connivence avec l'ancien chef de l'État? Est-ce que Banamoura? Non! C'est une unité. Oyo, ceux qui m'ont conduit à y aller, Bazali pour un président de la République. Ceux qui m'ont conduit à y aller, Bazali pour un président de la République. Ce ne sont pas des éléments privés d'un président de la République. Quel nom, élément, oyo, attends, le président, Rosara, Nabango. Non, ils sont là pour protéger les chefs de l'État,
protéger la famille du chef de l'État. Il y a une mission première pour ces éléments de la garde républicaine. Donc, il y a l'élo, il y a une histoire, il y a un mot cannabis, il y a quelque chose, il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui est la garde républicaine, c'est une marche d'endurance. Marche d'endurance. Marche pour démontrer force au bazali na yango na batonyo so ba dongolomisu nyoso ya mboka ba ebaite. On peut pas toucher à l'institution président de la République. On peut pas toucher d'une façon illégale au président de la République. On peut pas déstabiliser par de voies mesquines la République démocratique du Congo. On est une gêne démocratie. Oh, démocratie, wana, il faut. Et qu'il y ait des titres au Comapé, pays moro et vieille démocratie, n'est-ce pas les États-Unis, n'est-ce pas France, n'est-ce pas l'Allemagne, n'est-ce pas pays Union Sowana. Tout battre la démocratie, n'est-ce et qu'on a là vraiment mal à moi. Le troisième point, mesdames et messieurs, oh, tu reçois la n'abino, mon collègue, c'est tour. Tout le monde a une délégation. Délégation à Bruxelles Airlines. Si la coopération dans les domaines aériens, infrastructure, trafic. Tout partagé entre Bissot et Noko. Noko, Bissot et Zali, Belge. Il y a une coopération, il y a échangé calmement. Il y a un billet, il y a un prix d'avion. Et si la Kiko quitte, à l'aide, il y a un ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, sous l'impulsion, tout ordre, il y a un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Belge compagnie Bruxelles Airlines, la Sololi, la Betty Masolo. Pour comment souder les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique, notamment dans le domaine aérien. Parce que nous allons vraiment dans l'avion et vraiment pour le cannabis. À l'aide de la coopération, on peut acheter d'autres avions pour faciliter le trafic aérien dans le cannabis au Congo. Mais également le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Asilaki ko solulana ba investisseur américain ba imboke bele bazali koloba ah yango ba américain ba solula mokonza mboka depuis banda ko solula est-ce que déjà ba tie ba entreprise na bango ah est-ce que ba créer les entreprises est-ce qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant avec les américains est-ce qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant avec Joe Biden bon monaki na sommet il y a G20 na G8 oh mon kondambo ka Félix Tshisekedi a participé qui comme étant président de l'Union africaine ngé ambiance wana avec Joe Biden le président américain ambiance d'amis une ambiance amicale entre les deux personnalités bayimoka quel est le profit quel est l'intérêt de la RDC dans la coopération. On a vu les investisseurs, bien évidemment. Pourquoi ces investisseurs ne viennent pas investir en République démocratique du Congo pour que nous bénéficions des emplois? Oui, bien, mon salam, mon collègue, au-delà des efforts, de multiples efforts du gouvernement, de multiples efforts du président de la République pour notre entreprise, pour lutter contre le chômage, pour donner les emplois aux jeunes, ils allaient passer. C'est à travers ce genre de coopération, c'est à travers les investisseurs, les investissements. Nous avons dit que nous avons un investisseur américain. Au menu, nous avons dit comment investir en République démocratique du Congo. Matérialiser la coopération. Il faut le dire aussi que le monde est frappé à ces jours. Nous avons dit COVID-19.
Makambo et Talimbo Kanabiso, personnellement, insécurité de part et d'autre. Oh, état de siège, ils allaient qu'on forcer, ils allaient qu'on multiplier ma stratégie, comment faire pour restaurer la paix dans des coins où ils allaient en poids et en insécurité. Est-ce que ces coopérations entre les Belges, entre les Américains, les Congolais peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement? Est-ce que les Congolais peuvent avoir maintenant cette lueur d'espoir que 2022, comme le chef de l'État, le Bakangou n'a pas de discours, n'est que 2022, ça sera une année d'action. Une année d'action à impact visible et non une année. C'est ce que veulent les Congolais à ce jour. Les Congolais veulent les emplois. Congolais les moussala. Congolais les social na yebonga. Ils allaient. Bah, point au Congolais à Lingi. Est-ce que la coopération, mon Konzambo, vous avez beaucoup de talents belges, vous avez beaucoup de talents américains, vous avez beaucoup de talents français, vous avez beaucoup de talents anglais, allemands, pour n'avoir pas solo là, Tokyo, le Baïté, mon Konzambo, Félix Antoine Tshisekedi, cette fois-ci, a huit clés, il y a déverrouillage pour qu'il y ait des emplois pour des jeunes. Pour que les sociales des Congolais s'améliorent. Est-ce que c'est la clé déjà de réussite au Mokonzambo Kazui avec ma coopération Nyonso Oyo, Azali Kosala, Nabaimboka? Wana, Ezali, Motuna Totuni, Oyo Bino Bozali Kolanda, Oyo Bino Bozali Kotala, Basinio Nyonso Ezali Kodekalambo Kanabiso, Nde Bokopesa, Biso réponse. Quant à ceux. On va terminer avec cette pensée. On va terminer avec cette réflexion de plus d'un Congolais. Bazali Kolobaete, pourquoi Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi dit Tshilombo Azali n'a pas logique le coup la pasteur. Azali n'a pas logique. Le col à moto. Mon col Azali n'a mawa. Et le konini, Oyo Congo, Azali ko senga, na mon kondinae. To tangaki, ba message nabino, to yokaki, ba yimbo kam sou basili ko lobaete. Mon kondi yambo ka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Il faut azala na moi dose moko ya dictature. On demande pas au chef de l'État d'être dictateur. On demande pas au chef de l'État d'être dictateur. On demande au chef de l'État d'avoir cette petite dose de la dictature. Cela veut insinuer quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Que à travers cette dose le chef de l'État, à cause de la ferme, n'a pas décision, n'a pas engagement, il sera autoritaire. Il va garder sa ligne. Il va imprimer sa politique. Il va imprimer sa logique. Va faire allusion beaucoup plus. La façon où Mouammar Kadhafi a géré la Libye. Aujourd'hui, vous voyez bien que Libye est comment? Avec cette dose, Kadhafi a su imprimer sa philosophie. Les Libyens vivaient normalement, convenablement. Plusieurs problèmes sociaux ont été réglés à travers le pouvoir du président de la République. On demande au Félix Tshisekedi, le président de la République, d'avoir cette dose, de cesser d'être pasteur par rapport aux actions. Parce que un pasteur se dit, Torota la Bible, Zamaloba ki boye, il faut que ça la boye, il faut que l'imbi sa soki moto sali ma be, il faut que yoke la moto mawa soki moto sali ma be, mais moto zali ko yoke la mawana, balutimo kongo. Avoir cette dose
va donner un punch au président de la République. Le pouvoir non pas comme un dictateur, le pouvoir comme un président engagé. Le pouvoir non pas pour faire souffrir la population, mais le pouvoir pour décoller la République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs fidèles internautes, c'est par ici que nous mettons un point final na tribune Yamasolo Nabiso ya Congo, to betaka awa Congo, to lobarakaka Congo, biso nyonso, on est là pour le développement de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Une émission réalisée par Joe Mukenga. Tokuta Nabino très prochainement pour nous continuer Masolo Nabiso Nabino na cadre ya tribune d'expression et de partage d'informations. Motikali malamu. Bon week-end na banda ko Nabino. Thank you.